Si Paul rentre à l'ouvrage, dit salut à personne. Va s'asseoir à sa place, ses rêves à la fin de son corps. Il aurait voulu devenir avocat ou médecin. Dans sa tête ouvrier, ça vaut pas moins que rien. Ah ouais, dit Paul, botte-toi le cul, pis mets du pain sa table. Si Paul rentre à la maison, il regarde même pas sa femme. Va direct au frigeur et puis se débouche une canne. Effoiré sur le divan, en buvant sa petite frette, trouve le moyen de chialer sur le souper qui est pas prête. Ah ouais, dis Paul, botte-toi le cul, prépare-toi une assiette. Dis Paul, couche les enfants, question d'être libre enfin. Les repousses d'un regard ou du revers de la main. Ils sont mieux que pas se lever, sinon ils vont apprendre. Une claque derrière la tête, ça, ça aide à comprendre. Ah ouais, dis Paul, botte-toi le cul, t'aider comme une vidange. Fait que dis Paul se blâme, il n'a pas conscience que lui seul est responsable de sa déchéance. Fait que dis Paul, il serait temps que tu te prennes en main et tu prennes le contrôle sur ta vie de merde enfin. Dis Paul va finir sa semaine à taverne du coin. Il va y rester tard et puis revenir ben plein. Fait qu'il dit à sa femme qui va boire avec ses chums, mais il s'assoit tout seul au bord avec son rhum. Ah ouais, dis Paul, botte-toi le cul, on sait que t'as même pas de fun. Dis Paul, passe samedi dans les arénas. Ça fait partie de la vie quand t'as fait des petits gars. Peut pas s'empêcher, Dieu, t'es la mère du petit Marc. Puis le soir quand il baisse, c'est sur elle qu'il fantasme. Ah ouais, dis Paul, botte-toi le cul, puis donne-y un orgasme. Fait que dis Paul se blâme, il n'a pas conscience que lui seul est responsable de sa déchéance. Fait que dis Paul, il serait temps que tu te prennes en main et tu prennes le contrôle sur ta vie de merde enfin. Et tu prennes le contrôle sur ta vie de merde enfin. Et tu prennes le contrôle sur ta vie de merde enfin. Tu vas jouer dans le miroir, ça regarde à peine. Force de voir qu'il n'y a plus le corps qu'il avait dans vingtaine. Mais à quoi bon se forcer, ça fait mille fois qu'il essaye. Des régimes de cons qui finissent tout le temps pareil. C'est pas moi le médecin, marre un arrêt de travail. Pas besoin de justifier, même pas besoin de détails. Pourquoi se prendre en main quand t'as des petites pilules qui te font boire la vie en rose pis qui te pètent les cellules? Ah ouais, c'est pas le bon tweet, tu sais, rendu ridicule. Fait que dis Paul se blâme, il n'a pas conscience que lui seul est responsable de sa déchéance. Fait que dis Paul, il serait temps que tu te prennes en main et tu prennes le contrôle sur ta vie de merde enfin. Fait que dis Paul se blâme, il n'a pas conscience que lui seul est responsable de sa déchéance. Fait que dis Paul, il